Est-ce que vous souhaiteriez méditer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Alors on vous dit de revenir au moment présent, mais vous dites c'est bien gentil tout ça, oui mais comment je fais moi pour faire ça? C'est pas facile, moi je suis tout le temps partie dans mes pensées. Alors je vais tenter aujourd'hui de vous guider dans une courte méditation pour revenir à votre respiration sans jugement, sans critique, en faisant de son mieux, tel qu'on peut. Et c'est ça l'essentiel. Bonjour, moi c'est Isabelle de Fernet et vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube ou sur mon Facebook sous le nom de Ahimsa Yoga. Je suis là pour semer mes petites graines de yoga, pour vous proposer différentes choses. Prenez ce qui vous convient et puis semez aussi autour de vous si vous trouvez que ça vous parle et que ça peut aider d'autres, pour qu'on puisse grandir ensemble et revenir de plus en plus à nous-mêmes et à un bonheur quotidien, un petit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent. C'est dans cette optique que je vous propose aujourd'hui donc une courte méditation basée sur la respiration, qui est vraiment notre ancre, qui nous ramène dans le moment présent. La respiration, quand on parvient à la suivre, à suivre sa vague, son flux, son souffle, ça permet vraiment au mental de se calmer. Parce que j'imagine que votre mental, il est comme le mien. Il est tout le temps en train de partir dans 36 000 idées. On va penser à tout ce qu'on doit faire sur sa journée. Sa to-do list, elle nous revient en tête constamment. On veut faire, ou alors on est nostalgique, on est tout le temps dans le passé, on imagine 36 000 plans pour l'avenir, pour aujourd'hui, demain, les mois à venir. Voilà, on n'est jamais tranquille parce qu'il est tout le temps des pensées. On en a 60 000 par jour, donc c'est normal, notre cerveau fonctionne comme ça. Maintenant, dites-vous que les 60 000 par jour, eh bien, il y en a... je pense que c'est 90% voire 95% qui sont les mêmes que la veille. Donc elles nous polluent l'esprit. Et elles ne nous servent pas vraiment à grandir et à avancer dans notre vie. Et donc ce que je vous propose avec cette méditation, c'est de revenir dans votre corps, de calmer comme ça le mental, parce que quand le mental il doit se concentrer sur un objet, comme par exemple la respiration qui est toujours à notre disposition, ça va lui apporter de la sécurité et on va retrouver un état beaucoup plus paisible. Donc la méditation, en tout cas la présence en pleine conscience à ce qui est, c'est vraiment un superbe outil. Et je vous propose de l'explorer ensemble. Donc si ça vous convient, on va s'installer confortablement. Moi, je suis assise sur un coussin, mais vous pouvez tout à fait être assise sur une chaise, sur le bord de votre lit ou un autre endroit, peu importe. L'important est d'avoir les fesses bien ancrées dans le sol et de garder le dos très très long. Le dos actif, on ne va pas s'enfoncer dans la chaise parce que sinon on ne va pas pouvoir garder cette présence à ce qui est, en tout cas beaucoup plus difficilement. Donc si c'est OK pour vous, gardez le dos bien long, on rentre légèrement le menton, comme s'il y avait une ficelle qui tirait le dessus de notre crâne vers le ciel pour allonger la colonne un maximum. Et on va là fermer les yeux, baisser les épaules, et je vous propose de commencer par relâcher bien au niveau de vos épaules, au niveau de vos mâchoires et au niveau de votre front, qui sont les trois endroits qui sont souvent très tendus. Alors prenez le temps de les détendre, d'observer ce qui est là maintenant et d'arriver à votre souffle. Voyez si vous pouvez observer votre respiration telle qu'elle est maintenant et à l'endroit où vous la ressentez le mieux. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans les côtes? Observez là où ça bouge. Et suivez inspiration après expiration, une à la fois. Ne vous dites pas, je ne vais faire que ça pendant 5 minutes sans plus rien penser. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est normal, votre cerveau va tout le temps partir.
Et dans une méditation, il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à faire l'effort d'essayer d'être présent un maximum à notre respiration. J'inspire, j'expire. Observez si votre respiration est calme ou si elle est rapide, si elle est fluide, si elle est saccadée, si elle est profonde ou superficielle. Prenez conscience de comment est votre respiration maintenant. Et observez-la. Dans le ventre, dans les côtes, là où elle est. Et si vous repartez dans vos pensées, et je suis sûre que c'est le cas, c'est ok, c'est pas grave. Dites-vous que c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Par contre, dès que vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs, félicitez-vous parce que vous venez de vous en rendre compte et ramenez votre attention sur votre respiration. Comme si vos pensées, vous les laissiez passer comme un nuage blanc qui passe dans le ciel et qui s'en va. Et on revient à notre respiration. Une inspiration à la fois. Une expiration à la fois. Et puis voyez si vous pouvez amener votre attention sur vos narines. Est-ce que vous pouvez observer votre respiration à cet endroit? Est-ce que vous pouvez observer l'air qui entre dans vos narines? Et puis l'air qui en ressort, légèrement réchauffé. Peut-être que vous pouvez observer une différence entre la narine droite et la narine gauche. Et toujours une inspiration à la fois, une expiration à la fois. Que vous pouvez ensuite amener votre attention au milieu des deux narines. Peut-être sur un petit point précis, au centre, un petit point aussi petit que la pointe d'un crayon. Et voyez si vous pouvez garder votre concentration sur le bout de votre nez, sur ce petit point que vous avez choisi. Inspiration, après expiration. Et à nouveau, si une pensée arrive, dès que vous vous en rendez compte, laissez-la passer. Laissez partir ce petit nuage blanc et revenez dans votre ciel bleu. Revenez à votre point de concentration en suivant votre respiration.
Et si c'est facile pour vous de rester concentré sur ce point et votre respiration, voyez si vous pouvez maintenant observer tout votre corps à la fois qui respire. Sentir la respiration en union avec votre être. Et en union peut-être avec plus grand que vous. Une inspiration à la fois, une expiration à la fois, en observant le calme qui s'installe. Vous allez doucement pouvoir revenir à cet instant en ouvrant les yeux et essayer de garder cet état de calme pour le reste de la journée. Pensez à revenir régulièrement à votre respiration. Prenez une minute, plusieurs fois par jour, juste pour observer votre souffle, pour calmer votre esprit, évacuer le stress, revenir au moment présent et juste être bien et en paix avec ce qui est. Namasté. Ma lumière salue votre lumière. J'espère que vous avez pu profiter de cette méditation, que vous avez pu rentrer en connexion avec votre souffle, que ça vous a aidé. Et puis, n'hésitez pas à y revenir régulièrement pour pouvoir vous habituer à cet exercice et à calmer votre esprit. Et si ça vous a plu, eh bien, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, venez me rejoindre dans mon groupe Facebook et partagez. Faites-en profiter un maximum de personnes. Je pense qu'on en a tous besoin. On se retrouve bientôt. Bye !